Stéphane Buckland a fait vivre de grands moments au sport mauricien. Bien qu'il n'ait pas décroché une médaille aux championnats du monde d'athlétisme ou aux Jeux Olympiques, son héritage va perdurer. À la retraite depuis peu, il entraîne à présent les espoirs du sprint mauricien. Qu'est-ce qu'il en est de l'après Buckland? Nous avons rencontré le coach et sa sélection, leurs avis sur la question. C'est un Rodemanjen qui est vraiment dynamique parce qu'il vu qu'il y a sa stère, il y a une nouvelle technologie qui est mélangée. C'est un Banjen un peu plus convergé vers ça qui est venu faire un entraînement qui se peut souffrir. Mais vu qu'il y a stère, je peux mettre un sur un jeu qui est un centre de formation qui est un peu délaissé, moi qui réponds lui. C'est à partir de ça qu'il faut un jeune qui vous manque un goût, connaît que ça vient le sprint même. Et on pensait avec ça, on gagne au moins 10 ans, 5, 8, 10 ans, et qui nous trouvent notre Mauricien TPS au niveau international. Baptiste Brasse est le plus jeune de nos sprinteurs. À 18 ans, il est parfaitement conscient des enjeux à venir. L'héritage est vraiment grand. L'héritage est vraiment haut. L'héritage est fait pour, là, pour nous retenir l'héritage, pour en lire. Et nous continuer à faire le Mauricien plus haut encore. Voilà. Stéphane fait avant, nous avons fait maintenant là. Il a un gros objectif. Comment tu as joué la pique, je suis mon WEF, les médailles aussi, je suis mon WEF. Donc nous, les jeunes, tu veux qu'il nous cave le rêve, relève lui. Mais ce n'est pas pour maintenant. Je te dis qu'à faire une face, nous mettons l'objectif pour faire une face, mais nous pouvons faire une face. Ce n'est pas le talent qui manque aux héritiers de Buckland. La réussite est un ensemble de facteurs qui encadrent l'athlète. Et Ahmed Bongo le sait bien cela. Il ne fallait pas nous prendre mal la tête qu'il y a après Stéphane, nous comparer. Parce que chaque fois, il a dit même comparer, il dit ouais, après Stéphane, ben là. C'est qu'il n'est encore jeune, donc nous avons beaucoup de travail à faire. Mais pour me penser, nous avons assez bon athlète pour prendre la relève. Nous, pour Mauricien, le problème qui nous gagne, c'est qu'il y a un athlète qui tient un talent, pas qu'à venir à cause de transport. C'est qu'il nutrition. Il y a un gros travail, c'est qu'il ne m'a pas venu m'entraîner pour les postes pour l'énergie. Après, moi, de la case, je m'en des dalles pourries. Ça des rôties. Tu comprends? Toute l'énergie qu'ils m'ont dépensée, je ne vais pas remettre l'énergie avec moi pour qu'ils m'auraient enchaîné mon entraînement demain. Donc, c'est un gros travail. C'est à nous de mettre de l'amour là-dedans, qui nous venir d'entraîner. Comment Stéphane et Kéry qui nous font, parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Donc, c'est à nous de prendre un exemple sur eux. Je me connais bien là pour aider nous. Et je ne pas trouver qui faire, ne pas pouvoir s'y arriver. Je ne pas trouver les efforts qui sont de nos jours. Faire, je ne pas trouver ça suffisant. Je suis actif. Ce qui moi, je veux faire, ou voir même faire mieux, ce qui ne pas faire. Au départ, quand les enfants sont au petit ils viennent dans le stade, ils quittent leur famille, ils viennent là. C'est l'entraîneur qui est responsable de l'athlète. L'entraîneur tenant la fédération. La fédération joue ce rôle en termes de licence, en termes de compétition. Et entraîneur, il est là pour le guide d'athlète. Il dit, voilà, tu as besoin de faire ça, pour te atteindre ton but. Et si l'athlète, il vient là, il dit, okay, à cause qu'il a fait, il dit, son parent, il dit, il fait un sport. Ça, pour moi, c'est pas un sport. Pour moi, ça, nous devons passer le temps. Bon. Et, peu importe qui discipline, il est capable de football, tu donnes un bouquin de football, tout le monde a un coup de football. Mais seulement, il a la façon pour t'appeler. Donc, c'est ça que le bon aspect technique qui rentre. Et elle est là que tu te vises professionnellement. Moi, je pense qu'il est dans l'État, il vient suivre derrière. Soutien parent, bien sûr. Soutien entraîneur. Et moi, je pense d'être la tête même, un athlète qui vient fort. Une chose est sûre, la volonté est là. Le talent aussi. Entraîné par le meilleur, on attend plus d'efforts de ces jeunes. Reste à savoir si les moyens mis à leur disposition seront au niveau des attentes.